Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de Wartels. Je vais vous présenter tous les animaux que vous pouvez recruter et qui sont disponibles depuis la sortie du tout premier DLC, les pirates de Beleriand. Je vais aussi rajouter des annotations dans la vidéo, comme ça vous allez pouvoir changer d'animaux si vous vous êtes intéressé par certains et pas d'autres. Et bien sûr avoir une petite discussion sur toutes leurs compétences disponibles et bien sûr ce qu'ils peuvent aussi faire pendant le combat. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de la partager, ça aide énormément ma chaîne. Merci infiniment. Nous allons commencer avec les ours. Je pense que les ours sont les plus intéressants, mais difficiles en fait à maintenir parce qu'ils consomment énormément de nourriture. Donc vous avez deux ours, vous avez l'ours brun normal et après vous avez l'ours blanc que vous pouvez trouver dans les hauteurs de Drombak. Donc pour ce qui est des spécialisations, nous avons une petite différence, donc on va voir ça. Vous avez fourrure confortable, tout compagnon qui passe son repos adjacent à cette unité génère un de bravoure supplémentaire. Vous avez le grognement intimidant, force la cible à s'engager, lui applique fragilité pendant un round. Donc ça me coûte 2 de bravoure, mais c'est parce que je suis en extrême. Roi de la forêt, si cette unité débute le combat dans une forêt, elle gagne galvanisation. Maître pêcheur, vous avez une chance d'attraper des poissons en marchant près des cours d'eau. Indomptabilité, force et constitution augmentée de 10%. Vivacité farouche, les attaques d'opportunité de cette unité ignorent la garde. Enragé, les unités ennemies adjacentes ont immobile. Alors ça, quand ils ont sorti en fait les niveaux 12 des animaux, ça ne fonctionnait pas. Maintenant, ça fonctionne très très bien, il n'y a pas de problème. Et c'est extrêmement utile en fait si vous voulez utiliser vos ours en tant que vrai tank. C'est-à-dire que les ours sont déjà extrêmement larges, ils prennent à peu près 2 places d'un homme. Et si vous vous mettez tout simplement à côté, ils vont avoir ce malus d'immobile et vous allez pouvoir en fait bloquer des couloirs d'humains. Et vraiment extrêmement bon pour tanker. Et après vous avez dompté, transporte 50 de plus. Et pour les différences, donc là vous avez galvanisation en forêt, alors que l'ours blanc il a galvanisation en montagne. Donc voilà, des petites différences. Maintenant pour ce qui est des attaques, il y a pas mal de différences, on va voir ça. Donc vous avez l'ours brun, donc fait des dégâts à la cible. Si cette unité est déjà engagée, elle gagne acharnement. Après avoir attaqué, cette unité effectue une attaque d'opportunité retirée s'il n'est plus engagé. Alors l'acharnement est intéressant vraiment si vous passez en fait plusieurs tours. Tout simplement c'est ça. Moi personnellement l'acharnement je l'utilise quasiment jamais. En fait il se déclenche pas parce que les ennemis vont être tués en fait en un tour et tout ça. Donc acharnement ça a l'air marrant et bien mais c'est pas vraiment super intéressant. Après je crois que acharnement vous pouvez plus ou moins le déclencher en fait avec ça, avec le grognement intimidant. Donc vous faites ça en premier, vous allez engager plus mettre fragilité. Et après, quand vous allez taper, en théorie, vous allez taper 2 fois automatiquement. Et ce qui est peut-être intéressant, c'est mettre ça, comme ça, la deuxième attaque, en fait, est considérée comme une attaque d'opportunité. Du coup, vous allez ignorer la garde. Donc, techniquement, vous pouvez faire un combo comme ça. Mais il faut utiliser ça et ça. Voilà, donc c'est comme ça. Et après, pour le passif, vous avez ténacité sauvage. Quand cette unité doit mourir, elle gagne berserk et ne meurt pas. Si elle a déjà berserk, elle meurt. Donc, en gros, c'est une deuxième vie. En parlant de deuxième vie... Je ne l'ai jamais testé moi-même, mais en théorie, on peut peut-être avoir 3 vies avec cette tour. Vous avez le côté donc déjà berserk. Vous avez aussi la volonté, donc ça ferait une deuxième vie. Et après, vous pouvez mettre un collier, en fait, genre comme ça, par exemple. Le collier de protection qui permet de se détruire, en fait, au lieu de que la bestiole meure. Donc, théoriquement, on pourrait avoir 3 vies avec l'ours. Je ne l'ai jamais testé moi-même, donc prenez ce que je dis avec des pincettes. Donc, faites-le, testez-le. Pour ce qui est des compétences, je voulais parler, un peu montrer. Par exemple, force et constitution augmentée de 10%. La force, c'est pas énorme. Vous voyez que vous gagnez plus 17 d'indomptabilité, donc c'est pas vraiment énorme niveau dégâts. Par contre, la constitution est intéressante. Vous voyez que la valeur de base est 731 et vous avez un plus 74 pour l'indomptabilité. Donc vous gagnez pas mal de HP en plus. Aussi, à savoir que grande vitalité, chaque point de constitution donne 4 points de santé au lieu de 2. Et toujours sur tous les ours que vous trouvez. Donc tous les ours auront toujours ça. Donc ça c'est une bonne chose aussi à savoir. Maintenant pour l'ours blanc. Donc l'ours blanc est un peu plus DPS en fait. Pour moi l'ours normal, l'ours brun est plutôt un tank. Alors que l'ours blanc peut être un très très gros DPS extrêmement puissant. Donc vous avez son coup de patte normal qui fait 2 fois des dégâts. Si cette unité a accumulé de plus de 8 rages, elle gagne acharnement. Et si elle a accumulé plus de 16 de rages, elle gagne berserk. Donc très intéressant. Et son passif c'est ça, c'est sang chaud. Chaque fois que cette unité effectue ou subit une attaque, elle gagne 2 de rage. Donc en gros, on va dire que vous pouvez vraiment le transformer en bête énormissime qui va faire extrêmement mal.
parce que vous allez gagner en fait de la rage à chaque fois. Donc en grosso modo, si vous le mettez, on va dire un peu exposé aux ennemis, il va se faire taper et à chaque fois en fait il va gagner 2 de rage. Et en plus, honnêtement, il a beaucoup d'HP, hein, donc il peut maintenir sa vie et son chemin assez facilement. Et du coup, vous allez directement, enfin rapidement, on va dire, avoir Berserk en fait. Et là, vous allez faire très très mal, taper 2 fois à chaque fois. Donc ça peut être vraiment intéressant. Donc pour moi, l'ours blanc est plus un DPS, alors que l'ours brun est plus un tank. Et par contre, évidemment, les deux consomment 12 de nourriture, donc très très élevé. Maintenant, nous allons parler des sangliers. Vous avez 3 types de sangliers. Le sanglier normal, vous avez la lait dominante, et après, vous avez le crocoport. Donc pour ce qui est des spécialisations, donc nous avons en premier, cette unité peut désormais être abattue pour sa viande. La bête mange les restes et réduit sa consommation de nourriture de 2. Alors de base vous avez 4, donc vous passez à 2. Une chose très très intéressante par contre, quand vous choisissez le sanglier d'élevage, en gros ce qui va se passer c'est que quand vous passez plusieurs nuits à manger, je crois que c'est à peu près 3-4 je dirais, et que vous mangez bien, en fait le sanglier va aussi manger bien sûr avec vous, et il va devenir plus gras, et vous allez avoir en fait un trait où il dit gras, et ça va vous expliquer que en fait il est bon pour, pour être abattu et être mangé. Et après vous allez aller dans gérer compagnon, et là il va avoir écrit genre abattre, je crois, un truc comme ça, et vous allez récupérer énormément énormément de viande et aussi de graisse. La graisse est très très importante pour faire des torches par exemple, et surtout la viande. Vous allez récupérer à peu près 40 à 50 morceaux de viande. Ça dépend un peu du sanglier, c'est un peu aléatoire évidemment, mais vous allez gagner énormément de viande. Donc ça c'est une très très bonne chose si vous avez un peu des problèmes avec la nourriture, si vous avez genre pas trop d'argent en fait pour en acheter. Donc pensez à garder un sanglier, voire même plusieurs hein, dans votre équipe, et de temps en temps en fait vous en tuez quelques-uns tout simplement pour les manger. Et c'est vraiment très très utile, le sanglier de l'élevage, extrêmement utile surtout en début de jeu. Après, vous avez donc dégâts subis réduits de 25%, donc extrêmement bien. Après, le bon compagnon, cette unité peut être assignée au feu de camp. Donc encore une fois, vous pouvez le mettre là directement, donc ça c'est vraiment sympa. Et pas le faire rôtir, hein, il est là pour générer du bonheur évidemment. Après, vous avez le transport augmenté de 20. Vous avez la créature hirsute, chaque fois que cette unité subit un coup critique, elle gagne riposte. Donc ça, c'est une bonne chose, je trouve aussi. Après, vous avez donc le sanglier truffier. Vous avez une chance de ramasser des champignons en marchant en forêt. Donc un peu comme les ours et tout ça. Là, vous allez récupérer des champignons à la place. Donc vous avez des champignons gratuitement si vous passez en forêt. Donc une bonne chose, honnêtement. C'est une très bonne chose. Après, pour ce qui est du niveau 12, vous avez Bousculade qui applique déstabilisation à la cible pendant un round. Garde réduite à 0. Hein. Déstabilisation pardon, étant une habilité extrêmement, extrêmement utile, surtout en jeu avancé, en fait, en fin de jeu, on va dire. Et après, à la place, vous avez aussi, après avoir subi une attaque, cette unité gagne 5 en colère, dégâts augmentés de 20% cumulables. Donc vous avez 5 fois 20% de dégâts. Alors après, bien sûr, le truc qui fait pas extrêmement mal, hein, vous voyez que les stats sont plus dirigés vers la constitution que la force, mais encore une fois, c'est plutôt sympathique. Maintenant, nous allons parler des compétences et des différences entre les différents sangliers. Donc le sanglier de base, nous avons des dégâts, tout simple, aucune chose à rajouter, dégâts à la cible. Après, nous avons la charge inéluctable, se désengage et charge en ligne droite, infligeant des dégâts à toutes les unités sur le chemin. Et en troisième, vous avez le gardien de la forêt. Chaque fois qu'un animal allié meurt, cette unité gagne fureur. Pour ce qui est de la lait dominante, ça change légèrement, c'est par rapport à son attaque principale. Le reste, c'est exactement la même chose, mais son attaque principale change un peu. Donc, inflige des dégâts à la cible et coup critique assuré si la cible est déjà engagée avec un allié. Et pour finir, sur la troisième variante des sangliers que vous pouvez trouver, le crocoport qui est à Luderne. Vous avez 2 compétences assez uniques, donc déjà son passif, gardien des marais. Quand cette unité meurt, une nuée de moustiques se forme. Alors je crois bien que si vous passez dans ce nuage de moustiques, vous faites 20% de dégâts à la vie maximum de la cible en fait. Donc très intéressant. Et après sa compétence principale qui est vraiment très très bonne. Donc faire des dégâts à la cible et lui applique saignement. Par contre, si elle saigne déjà, lui applique poison. Donc je pense que c'est une des seules peut-être habilités en fait qui va changer par rapport à ce qu'elle a déjà appliqué la première fois qu'elle a tapé. Donc vous allez toujours faire saignement et après vous allez faire poison. Donc poison x1, x2, x3, etc., etc. Donc le fait d'avoir une armée de crocoports peut être très 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 intéressant. Surtout si vous voulez en fait rester loin des combats et laisser les gens en fait mourir petit à petit. Parce qu'entre le poison et le saignement, leur HP surtout à haut niveau vont aller très 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 vite. Donc encore une fois, le crocoport est très très intéressant. Mais il est trouvable seulement à Luderne.
Une autre chose que vous pouvez trouver à Luderne, c'est le moustique cardinal. Et pour l'attraper, il vous faut une concoction d'arag. Assez simple à faire. En gros, ça va faire de gros dégâts directement au moustique quand vous l'envoyez. Et si jamais vous le tuez avec cette concoction, au lieu de mourir, vous allez les capturer directement. Maintenant, nous allons parler des compétences et des spécialisations. Déjà, parlons des compétences. C'est important de savoir comment elles fonctionnent. Donc, inflige des dégâts à la santé de la cible, les dégâts ignorent la garde, et si vous faites un critique, vous appliquez fièvre. Donc, il faut comprendre que le moustique, en fait, va taper directement à la santé, peu importe l'armure, peu importe la garde, il va toujours taper directement à la santé. Donc, il peut être très dangereux si vous le rencontrez. Après, pour son passif, vous avez buveur de sang. Chaque fois que cette unité inflige des dégâts, elle gagne une application de réserve de sang, et au bout de deux applications de réserve de sang, elle va se soigner entièrement. Maintenant pour les spécialisations, donc chaque fois que cette unité inflige des dégâts, elle se soigne de la moitié des dégâts infligés. Il faut se rappeler que les dégâts sont très bas, hein, vu que le truc en fait tape directement la santé, évidemment il ne va pas faire des grosses attaques. Après vous avez chaque fois que cette unité se soigne, elle gagne fureur. Vous avez dégâts augmentés de 50% pour chaque réserve de sang. Vous avez chaque attaque applique également un de poison, ça c'est une chose que j'aime beaucoup en fait des moustiques. Donc les moustiques peuvent mettre poison à tout le temps en fait quand ils tapent, donc c'est très intéressant. Après, vous avez cette unité confère fureur à un compagnon adjacent pendant le repos. Donc ça peut être vraiment intéressant quand vous dormez. Après, vous avez le prélèvement sanguin. Cette unité peut piquer un compagnon pour supprimer son besoin en nourriture pendant les deux prochains repas. Alors ça, je crois que ça a été légèrement changé. Si je dis pas de bêtises, peu importe le nombre de moustiques en fait, que vous avez dans le groupe, vous pouvez en avoir une quinzaine si vous voulez. Normalement, c'est limité à une seule personne dans le camp. Donc ça peut être un animal aussi, mais, ou une personne, peu importe. Mais ça sera limité à une seule personne qui va se faire prélever. Je crois. Prenez ce que j'ai avec des pincettes, mais je crois que ça a été changé comme ça. Parce que sinon, en gros, ça serait un peu trop puissant. Vous pourriez avoir une armée d'ours et tous se les faire piquer en fait par des moustiques. Passons au niveau 12. Donc si l'attaque cible... Alors, si l'attaque cible un ennemi, lui inflige des dégâts et lui applique vulnérabilité. Vulnérabilité extrêmement puissante, la prochaine attaque subie sera un coup critique d'office. Et par contre, cette attaque aussi peut cibler les alliés. Et si vous ciblez les alliés, le soigne de 10% de sa santé maximum et lui confère aussi fureur. Donc très très intéressant. Et après, la furteur, cette unité a une chance de trouver des composantes d'alchimie pendant le repos. Alors personnellement, j'ai jamais eu un moustique qui a survécu jusqu'au niveau 12, hein, j'ai eu niveau 11 maximum. Je pense que piqûre dopante peut être très intéressante, surtout que vous pouvez mettre vulnérabilité en fait à 100% sur une cible, et surtout que vous pouvez aussi soigner un allié. Donc imaginons que par exemple, vous êtes pris un très très gros dégât et que vous êtes en peine de mort, hein, un allié. En gros, le moustique peut aller directement soigner la cible. Donc ça c'est vachement intéressant, c'est une très très bonne chose à avoir je pense. Et aussi vu que c'est un moustique, il vole évidemment, il a déjà beaucoup de mouvements de base, hein. De base il est à 15, ce que vous pouvez trouver en fait à Luderne. Et par contre aussi il est immunisé à la boue évidemment, parce que vu qu'il vole il passe au-dessus de la boue, donc il est immunisé à ça. Donc très très intéressant aussi pour des terrains en fait qui sont un peu compliqués pour se déplacer. Et je pense que honnêtement vous pouvez l'utiliser en tant qu'ambulance. Je pense que le moustique peut être une grosse ambulance et vous pouvoir en fait sauver quelqu'un très facilement avec ça. Et après mettre du poison en fait de temps en temps. Voilà. Mais après le reste, ça laisse un peu à désirer. C'est pas un tank qui va se faire la plupart du temps, il va se faire one shot. Il va pas faire très mal non plus. Donc voilà, c'est très très limité son utilisation. Mais encore une fois, son habilité au niveau 12, je pense, peut sauver des vies. Vous avez aussi des rats, donc il y en a deux, donc vous avez le rat taupe et le rat pestiféré, ils sont assez différents les uns des autres. Donc pour le rat taupe est un peu compliqué à avoir parce que vous pouvez en trouver très rarement dans des événements en fait tout simplement, ou alors ce sont dans des temples. Donc voilà, donc c'est assez rare en gros, grosso modo si jamais vous tuez tous les endroits où il y a des rats taupes, bah, c'est quasiment impossible à récupérer de nouveau. Donc faites attention à ça si vous voulez vraiment récupérer des rats taupes. Donc la compétence du rat taupe, vous avez des dégâts à la cible et si elle est déjà engagée à un allié, les dégâts sont augmentés de 50%. Après, vous avez force du nombre, dégâts augmentés de 25% pour chaque rat taupe allié dans un rayon de 6 mètres. Et après, vous avez l'allié de l'obscurité. Tant que cette unité évolue dans l'obscurité, elle a brutalité, sinon elle a fragilité.
Alors ça, je crois qu'il faut absolument être en intérieur en fait pour que ça trigger. Donc si jamais vous êtes en intérieur, vous avez brutalité, s'il est proche d'une torche par exemple, que de votre torche ou d'un ennemi de la torche, il gagne la fragilité. Mais si jamais vous combattez à l'extérieur, je crois bien que vous allez gagner la fragilité automatiquement, même si c'est en pleine nuit en fait. Il faut vraiment être en intérieur, je crois bien. Ah, donc vous avez ça. Pour ce qui est du pestiféré, donc l'attaque normale applique aussi 1 de fièvre. 1 de fièvre, c'est pas mal, 10% de dégâts cumulables. Et après, vous avez ça, organisme pestiféré. Cette unité a pyrophobie et les dégâts de poison régénèrent sa santé à la place. Donc elle prend plus de dégâts de feu, mais elle régénère si elle est dans le poison. Donc vous avez toujours ce debuff en fait, pyrophobie qui est toujours actif. Et aussi, elle est infectée. Donc, cette unité est infectée par la peste. Elle pourra la transmettre en combat via une blessure. Donc, si jamais vous attaquez une personne en fait sans armure, parce que si vous avez une armure, vous êtes immunisé. Donc, si vous attaquez une personne sans armure, vous allez l'infecter et elle va devenir un pestiféré du coup. Donc, faites attention à ça si vous recrutez des gens. Vous pouvez faire un peu des trucs un peu dangereux pour la communauté. Ce serait de faire des prisonniers, des bandits. L'attaquer avec un rat et après le mettre en prison. Donc en théorie, vous avez déclenché une pandémie. Après, pour ce qui est des spécialisations, donc ils partagent exactement les mêmes spécialisations. Donc cette unité a une chance de trouver du fromage en visitant des lieux. Donc visitant des lieux, c'est pas exactement vrai ce qu'ils disent. En gros, c'est des plans en fait. Genre par exemple, si on parle à quelqu'un, si on va dans différents lieux et tout ça, ça dépend en fait du plan tout simplement. Donc des fois, vous pouvez trouver du fromage même en tout simplement en parlant à quelqu'un. Donc c'est assez intéressant. Honnêtement, le fromage, vous le trouvez assez souvent. C'est plus souvent que par exemple les ours qui pêchent à la rivière et tout ça. Donc c'est très intéressant. Après, vous avez nécrophagie. Si cette unité tue un ennemi, elle supprime sa consommation de nourriture pour le prochain repas. Donc les deux rats hein, consomment deux. Hein. C'est pas énorme non plus. Donc ça sert un peu à rien. Après, appel de la nuit. Appelle une unité de son espèce en renfort. Utilisable seulement à partir de 50% de santé restante. Donc ça peut être intéressant. Mais je crois bien que les renforts en fait sont de très très bas niveau. Après, vous avez survie de l'espèce. Si deux unités de la même espèce ont cette compétence, elles ont une chance de se reproduire et de faire naître une nouvelle unité après un repos. Donc, encore une fois, ça, là, à l'époque, ça faisait un rat de niveau 1. Et si, vous pouvez le faire en fait avec un rat taupe et un rat pestiféré, hein, si vous avez les deux. Donc, ça fait des trucs un peu mixés, un peu chelous. J'avais eu des rats taupes, je crois, qui étaient sensibles au feu et tout ça. C'était un peu étrange. Et les noms étaient un peu mixés aussi. Donc, faudrait, honnêtement, j'ai envie de refaire des tests en fait avec ça. Mais ça peut être intéressant si vous voulez avoir une armée de rats. Après, vous avez cette unité à rage la nuit. Vous avez cette unité ne peut pas mourir du dégât provoqué par saignement, poison ou brûlure. Intéressant. Chaque attaque effectuée ou subie applique 2 de poison à l'unité adverse. Ça, c'est très très intéressant. Et après, vous avez immortel. Quand cette unité doit mourir, elle ne meurt pas. À la place, chaque attaque subie, elle a 70% de chance d'esquiver, sinon elle fuit le combat. Alors, fuir le combat, du coup, en extrême, je pense que vous allez perdre l'unité. J'ai pas encore vraiment testé en fait ça, mais je pense que vous allez la perdre, donc faites attention à ça. Et pour ce qui est du rat taupe, c'est exactement la même chose. Alors, que dire des rats? Les rats sont potentiellement intéressants. Le rat taupe est un peu plus résistant, il a un peu plus d'HP comparé en fait au rat pestiféré. Le rat pestiféré par contre peut mettre de la fièvre. La fièvre est assez intéressante parce que dégâts subis augmentés de 10%. Et si vous en avez plein en fait, ben, du coup ça peut monter très haut. Donc si vous avez du mal par exemple à faire des dégâts à des, genre des gros tanks avec beaucoup de vie, beaucoup de défense et tout ça, et ben, vous pouvez un peu les spammer en fait avec de la fièvre. Donc ça peut être intéressant. Et après aussi, moi je pense qu'il y a ce qui est le plus intéressant en fait dans les rats, c'est ça, c'est l'empoisonner en fait. Chaque attaque effectuée ou subie applique 2 de poison. 2 de poison c'est vraiment sympa, surtout si vous avez plein de rats. Mais voilà, mais en général ils sont assez fragiles, donc faites très attention, mettez un collier de protection, mettez beaucoup en constitution. Bien sûr avec beaucoup de mouvement et de volonté évidemment. Et le meilleur pour moi, je dirais que le rat taupe a plus de vie, donc techniquement il est plus intéressant. Mais il a le problème de la fragilité, alors que le rat pestiféré, il n'a pas le problème de la fragilité. Il peut se remettre de la vie avec du poison. Donc, à la limite, le rat pestiféré est plus intéressant. On va dire qu'il a plus de chances de survivre, je dirais. Mais dans les deux cas, les deux peuvent facilement se faire one shot.